Vendredi 13 août, ça ne s'invente pas, Before by Rebecca, un invité dont on a beaucoup parlé dans une émission précédente avec Alex Catherine. On a parlé à un moment de la carrière d'Alex Catherine et puis dans un échange, on a parlé de ce musicien. Alors beaucoup l'appellent le boss du zouk, beaucoup estiment qu'il a aussi... Ça part dans cette culture, dans cette musique, dans ce qui fait notre musique antillaise. Il est avec moi en plateau et j'ai décidé que pour commencer l'émission, il fallait qu'on ait un truc qui chauffe et qui montre bien l'univers de mon invité d'aujourd'hui. Je crois qu'on est au 19e invité, je ne sais plus trop, hein, 18, 19. En tout cas, je suis très heureuse qu'il soit avec moi. On regarde ça, on commence en musique et après, je vous présente mon nouvel invité dans Before by Rebecca. Encore une fois, Sakai, Sakai, oui, Sakai,
Before Barry Baker. Le truc commence, mais voilà, explosif. Alors voilà, j'avais envie de commencer par ce morceau. Deux époques, deux ambiances, mais en même temps, un Frédéric Caracas très en forme. Ouais, il faut. Alors déjà, Frédéric Caracas, parce que voilà, la première question que je pose en général à mes invités, c'est comment tu vas ? Et il fallait justement commencer par un morceau qui te dit « Sakai ». Oui, Sakai. Eh bien voilà, je réponds « Oui, Sakai ». Oui, Sakai. Voilà. Frédéric Caracas, merci. Bien, c'est toi que je remercie de m'avoir invité et puis de voilà nos familles là. Ouais, nos familles. Ouais, c'est vraiment famille. Ça. Alors tu sais, chaque semaine, il faut que je cherche le nouvel invité du vendredi prochain. Chaque semaine, on se tracasse un peu et en fait, chaque semaine, on se dit mais il faut encore qu'on cherche dans effectivement ceux qui ont fait, ceux qui font encore notre culture, notre zouk. Et c'est vrai que tu reviens beaucoup dans les suggestions des de nos téléspectateurs. Et puis bah, je me suis dit, allez, vendredi 13, c'est ton jour, c'est Frédéric Caracas, il fallait qu'on te reçoive. Mais c'est bien parce que moi, aujourd'hui, je joue au loto. Donc, au moins si je ne gagne pas. Allez, au milieu aussi. Au moins si je ne gagne pas, mais j'ai gagné ma présence ici. Quoi. Donc, ouais, c'est un cadeau. Alors, j'ai commencé par comment vas-tu ? On a commencé aussi, alors tu as vu, on a fait un mix. Sur deux périodes de Sakai. Nous, hors antenne, on était dans le mouvement. J'étais vu regarder les images en te remémorant des souvenirs. Je sais pas, entre les deux concerts, le premier c'est 88 et le deuxième c'est 2017. Donc il y a vraiment. Bon, il y a eu plusieurs Gomes Chantouk, c'est vrai. Mais je veux dire qu'entre ces deux saisons. Bon, il s'est passé beaucoup de choses, quoi. Alors, déjà, parle-moi, parce que tu es vraiment, toi, un habitué du Grand Méchant Zouk. Hein. Je crois que tu connais la formule par cœur. Je crois que tu as souvent été appelé. Tu as, il faudrait rappeler, été bassiste de Kassav de 91 à 95, c'est pas rien. Grand Méchant Zouk, 88, les premières images qu'on a vues. Alors, Grand Méchant Zouk, c'était un concept de Winnie Pizio et Jacques Devarieux. Et j'étais le premier à être contacté pour donner mon avis sur ce projet. Et j'ai dit, ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Et j'ai dit, ah ouais, parce que tu es... Jacques me dit, ah ouais, parce que tu es là-dedans. J'ai dit, ah bon ? Et en fait, c'était 10 ans avant mon aventure Kassav, c'était ma première approche avec des musiciens de Kassav. Parce qu'en fait, ce sont les musiciens de Kassav qui accompagnaient des artistes avec un additionnel de musiciens... tels que Mario Canonge, moi, et puis Didier Saint-Prix, qui était à la percu. La percussion, ouais. Alors, et... on voit beaucoup de gens dans des images, quand même, parce que là, tu parles de Didier Saint-Prix, qu'on a vu, mais on voit quand même César Dursin, on voit Colo Bamur, on voit... Ça, c'est l'équipe Kassav. C'était la base Kassav. C'est la première équipe. C'était la première équipe Kassav, la grosse équipe. Colo Bamur, César Dursin, l'équipe de Kassav, Jacob. Qui encore On voit en invité guest Monsieur Ronald Rubinel. Ronald Rubinel et Mario Canonge. Raph Tamar au cœur. J'oublie que Raph Tamar a été choriste de Kassav. Exactement. Il y a aussi qui a été aussi chanteur de Kassav. Chanteur de Kassav aussi. Voilà. Je crois que c'est le numéro 3 ou le numéro 2, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est un disque qui avait été produit par Narayadou en Martinique. My Doudou. Et ouais, j'aimais ça. Je pensais te faire chanter plus. Hein, non, mais bon, moi je suis à l'aise là. Je suis pas très télé, je suis pas très interview. Mais maintenant, plus ça va, plus je vieillis, plus je me laisse aller. Quoi, tu vois, donc, je joue le jeu. La pression. La pression ? Non, pas du tout. Alors, 88, justement, là, on parle Grand Méchant Zouk. Tu en es où, toi, dans ta carrière, en 1988, Frédéric Caracas ? 88, bon, je... Mais écoute, il m'arrive quelque chose d'exceptionnel, c'est que, bon, avant de toute cette aventure, j'étais un musicien qui travaillait avec Germain Cessé, j'étais dans le jazz, en fait, plus ou moins. C'était la musique qui me prenait dans les tripes. Et aussi le Goka moderne, avec, par rapport à mon aventure avec Eric Ozak, Guy Conquête, tout ça, à Paris. Donc j'étais un peu dans un cheminement où je voulais faire progresser cette musique-là et que je voulais aussi mettre mon grain de sel, en fait, tu vois. Et après écrire Kozak et rentrer en Guadeloupe et faire quelque chose. Bon, mais il y a eu un petit accident de parcours, c'est que je suis arrivé en Guadeloupe. Je me suis retrouvé à remplacer un musicien
de Bataco. Alors c'était en 84, donc j'ai fait et je me suis retrouvé. Bataco était le groupe de, à l'époque. Oui, parce que moi j'ai fait parce que moi j'ai connu parce que les parents m'ont inculqué Bataco. Ok. Et c'était c'était le groupe de jeunes qui était très coté à l'époque. Ouais. Et on a eu j'ai eu cette occasion en tout cas de jouer en première partie de Kassa. Moi je connaissais au stade de Sainte-Anne. Et c'est la première fois que je voyais Claude Vermure, Jacob Duvarieux, tous ces gars-là. Mais nous, on avait un petit tube aussi, Bataco, c'est chic. On avait notre petit tube aussi, donc on n'avait pas peur du grand Kassav. Mais Kassav avait déjà fait son tube sous classé musicalement, tout ça, qui était le gros tube. Et en fait, nous, on faisait des premières parties de Kassav en Guadeloupe et en Martinique, aux trois îlets. Et les gens ne venaient pas pour nous, c'est clair. Ils venaient pour Kassav. Mais les gens ont découvert quand même les Caracas. Ouais, enfin non, même pas. Même pas. Même pas parce que j'étais juste bassiste du groupe. On connaît le groupe Bataco, mais on ne connaît pas ceux qui sont... On ne sait pas qui sont les noms exacts. Les noms, on connaît le nom. C'est à la limite, on était avec Dutmoon, voilà. Qui était même bizarre. Mais j'avais mon acolyte avec moi, c'était Daniel Kisoun. Donc lui, on était le plus jeune du groupe, donc on était toujours ensemble, on visionnait encore, on très très loin, on voyait qu'est-ce qu'on allait faire comme musique, et voilà, l'aventure commence vraiment là, quoi. Avant que tu continues à parler de ta carrière, justement, j'ai envie de te donner juste un seul mot, pour pas dire un nom, si je te dis le Rézé. Oh, t'as tout dit. Et bien sur la fine. Le Rézé, c'est vraiment la tribu des artistes, pas seulement des artistes, mais des sportifs. Ma première école, c'est le Rézé. En effet, en allant regarder des groupes joués comme Table numéro 2 de Frankie Vincent, Puissance 10 d'un ami qui s'appelle Marc Palamède, qui c'était lui le chanteur. Dans ce groupe, il y avait un fameux batteur qui est devenu bassiste. Michel Louis, c'était un batteur, véritable batteur qui a... Il le dit peu. Pourquoi il ne veut pas en parler, mais... Il est toujours resté... Alors, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. Ouais. Il était en coulisses avec Rudy Benjamin, Dissonance. Mmh. Et effectivement, il faut savoir ces histoires-là, mais... Beaucoup ne savent pas, mais Michel, c'était un excellent batteur. Mmh. Et on était en admiration lorsque le roi jouait, et à la suite, il est devenu bassiste. Il ne veut même pas entendre parler de la batterie. En tout cas, ce sont des gens que j'admirais et qui m'ont aussi incité à aller vers ce... Alors, quand je te dis le Rézé, je te sens un peu humble sur la question. Tu as parlé de Frankie Vincent, tu parles de Michel Louise. Voilà, mais... Alors, est-ce qu'on peut commencer une liste et d'interprètes et de musiciens venant du Rézé? Parce que quand je recroise, moi, les copains du Rézé, ils ont aimé blaguer pour dire Moun Rézé. Nous avons fait musique au Rézé. Mais en fait, déjà. À part Félix Caracas. Déjà, on va commencer par les Pinot, la famille Pinot. La famille Pinot. Bonjour à nos copains. Ouais, la famille Pinot, Patrick Pinot, Henri Pinot, René Pinot. Voilà, donc ce sont mes cousins germains. Donc déjà, les gens viennent d'en haut. Livio, tout ça. Fameux coucou à Livio. Voilà, donc on fait partie des générations qui viennent après, tout ça. Il y avait Frankie Vincent, bien entendu. Il y a Pascal, Eddie, Latour, mais surtout le père Latour, qui est un excellent trompettiste. On a les frères Bigor. On a, qu'est-ce qu'il y en a encore? Peut-être tu vas m'aider parce que. Alors après, moi je sais pas, moi, dans le Rézé. Il y a même les Duits qui sont passés au Rézé. J'ai pas envie non plus de froisser les gens de Sainte-Anne. Parce que tu sais, il y a les QAV, il y a la famille QAV, il y a. Les Duits sont passés là, ils ont habité là. Philippe Duit, Raymond Duit. Qu'est-ce qu'il y a comme musicien? Eh bien, je te laisse, alors je te laisse dans ton problème. Non, mais ça va revenir pendant l'émission. On a quoi, combien d'heures d'émission? Alors, deux heures? On a, avec toi, je pense qu'on aurait pu avoir 2h30. Mais on va passer à la deuxième pause clip d'un concept. Alors, pour ma part, sur ce concept-là, ma chanson, c'était Dommage. Mmh. Dommage, je ne l'ai pas trouvé en clip. Mmh. Mais on va se remémorer cette période. Et tu vas justement nous en parler. Et puis, tu vas essayer, pour la pause clip, de te remémorer les noms des gens du Rézé qui ont fait la musique
Il y en a beaucoup. De Guadeloupe, parce que tu as oublié Jean-Jacques Gaston aussi. Jean-Jacques Gaston. Autres. Voilà. Pardon Jean-Jacques, pardon. On se clip dans Before by Rebecca avec Frédéric Caracas et on revient tout de suite en plateau. Don't mind.
Frédéric Caracas, et j'ai envie de dire champagne finalement, invité de Before by Rebecca, vendredi 13 août 2021. Champagne. Avec toi, je vais faire une émission, je vais juste dire des mots, et puis tu devras développer en fait. Ouais. Parce que, tu sais, en préparant l'émission, d'ailleurs, j'en ai beaucoup parlé, enfin, je l'ai beaucoup dit à Marie Moradel, je dis, mais comment on fait déjà pour choisir les clips, choisir les périodes et choisir les interprètes avec qui tu as pu travailler et pour qui tu as pu composer. Frédéric, déjà, tu avais déjà une mission avant qu'on fasse cette pause clip, c'est déjà de trouver tous les gens du Rézé avec qui tu avais pu travailler, avec qui tu avais pu grandir et qui ont fait la musique. Alors, on s'est arrêté à Jean-Jacques Gaston, je ne t'oublie pas. Oui, on a déjà des questions. Là, on parle de champagne et il faut qu'on parle de toi. Alors. Mais on peut faire ça en trois volets. Donc, on parle de quoi aujourd'hui, en fait? Là, ben, on parle de Frédéric Caracas. Bon, allez, blague à part. Deuxième post-clip, donc là, on est sur l'ombrage, champagne. Alors, j'avoue que j'ai avoué que moi, mon titre de champagne, c'était Dommage. Je crois que c'est un titre qui, chaque fois que je l'écoutais, c'est le truc qui me faisait pleurer. C'était, voilà. Et ouais. On n'était pas sur la mode des duos. Mais du coup, on avait le duo parfait. Tu parles avec champagne, le binôme. Avec Victor, oui, Devers, c'était un binôme parfait. Victor, bon, pour parler de ce titre Dommage, c'est avant tout une composition de Victor. C'est son texte et sa mélodie. Et Dommage, le jour que ce morceau-là, il est symbolique pour moi parce que c'est exactement pendant qu'on faisait ce morceau-là, je faisais la musique. Et à l'époque, j'avais pas encore de studio, c'était chez ma mère. Elle avait aménagé un petit salon pour moi. Enfin, j'avais carrément pris son salon et pour faire mon studio, quoi. Donc, pendant qu'on finalise le morceau, à l'époque, j'étais plus jeune, donc j'étais plus svelte. Ouais, j'étais svelte. J'avais des idées. Plus mignon, on dira pas. Pour l'époque, peut-être, je sais pas. C'est maintenant que je me rends compte que j'étais beau garçon. Parce qu'à l'époque, je m'occupais de ça, c'était la musique, ouais, quoi. C'est la musique. C'est la musique. Alors, justement, je te coupe volontairement parce que tu vas nous raconter l'histoire de Champagne. Mais quand tu dis que tu occupes le salon de ta maman, et on est dans les années 80, donc tu es jeune, comment tu arrives à faire accepter à tes parents de faire de la musique? Parce que là, aujourd'hui, on parle de zouk, on parle de plein de choses. Mais à l'époque, c'est pas simple. C'est pas simple parce que, bon, je sors de mes bouilles. Je suis orphelin au niveau père. Bon, mon père m'a quitté, j'avais 14 ans. Donc, ma mère était un peu monoparentale, quoi, ça faisait tout. Et son but aussi, c'était de... Je suis l'aîné, donc son but, c'est qu'on réussisse à l'école, qu'on ait une bonne situation et tout. Et moi, ça a été... Après, avant de mon père, mon exutoire, c'était la musique. C'était une façon de cacher ma tristesse, tout ça. Et comme mon père aimait la musique, c'était un architecte, mais il aimait beaucoup la musique. Et il écoutait beaucoup de jazz, quoi. Donc c'est pour ça que je me suis... Ma direction, c'était ça. C'est le jazz, ouais. Et bon, le jour que j'étais à ma mère, comme bon, voilà, je vais faire de la musique, waouh. Elle me dit, qu'est-ce que je vais faire avec cet enfant-là? J'imagine le truc. Je suis l'aîné, c'est pas le bon exemple pour ceux qui viennent derrière. Mais il faut ramener de l'argent. À l'époque, la musique ramène pas forcément de l'argent. Aujourd'hui non plus, mais bon. Je n'y pensais pas du tout. Ouais. Moi, j'étais dans un rêve. C'est un rêve qui se matérialisait, en fait. En fait, je voulais matérialiser. Et je ne savais pas vraiment où j'allais. Alors pour un peu se voiler la face, j'ai dit que je vais faire des études de musique pour devenir professeur de musique. On dit musicologue. Oui, peut-être maintenant. Musicologie. Non, mais en tout cas, je voulais... Il y a beaucoup de dérivés. Bon, à l'époque, il n'y a pas Internet. Il ne faut pas trouver des... Là, ce n'était pas accessible de trouver des documentations sur ça. Mais je savais que... à la bibliothèque, il y avait une bibliothèque qui te donnait des orientations, les différentes orientations au niveau de la musique. Soit tu pouvais devenir un grand chef d'orchestre, soit tu voulais tu pouvais être... En tout cas, tu as envie de me dire qu'à l'époque, tu aurais dit à ta maman que tu voulais faire chef d'orchestre de musique classique, on t'aurait dit oui. Mais là, non, être je pense pas, pour le zouk... La musique, c'est vraiment quelque chose
C'est un second plan, quoi. C'est vu là, vraiment, c'est pas vu exactement comme. C'est une passion. C'est une passion. C'est pas un métier. C'est pas un métier. Et moi, j'ai voulu en faire un métier. Donc, j'étais en défi avec moi-même, en défi avec mes parents. Enfin, voilà. Donc, je suis parti un peu à l'aventure à Paris avec un ami, Patrick Colonno. Et voilà. Je rigole parce qu'en fait tu m'as raconté l'histoire en antenne. Oseras-tu dire vraiment ce qui s'est passé à Paris à cette époque-là? Ça arrivait. Donc nous on était tellement sûrs de nous, tellement sûrs de ce qu'on allait faire. On était vraiment, pour nous c'était on claque mon droit et puis on a le. Et puis comme c'est un bon musicien, et puis ils ont belles garçons en plus. Donc on part à Paris et il y avait une émission qui passait à la télé, un feuilleton. Il s'appelait Femme à l'époque. Ça va, c'est le samedi en plus. Voilà. Et pour nous, c'est ce qu'on va trouver à Paris. Quoi. C'est-à-dire, on soit dans une école où on étudie le matin, le soir on joue. Voilà. La magie. C'est pas du tout ça. Ça c'était la télé, c'était la fiction, quoi, toi. Et nous, on est entré dans le vif du sujet. On est vraiment entré dans. Comme disent les machins, un gars à être là. Je suis à Paris pour la première fois, tout est gris, tout est sombre. Mais qu'est-ce que je fais là? Il fait froid. Il fait froid. On débarque au mois de septembre, donc la rentrée. Donc on n'a pas beaucoup de temps à perdre. On a une école, mais on est censé avoir une maison. Et puis voilà, on a trouvé un propriétaire qui louait sa maison pour un an. On lui a donné 3 mois de loyer et il nous a donné les clés. Et on est content, voilà, on part à Paris. On est à Paris, on est loin du Rézé. On est loin du Rézé. On est loin de la Loupe. On a notre maison. Ouais. C'est on est grand. Pas de demander. Et bien, le premier jour, lorsqu'on arrive dans la maison, on arrive au boulevard Magenta, 192 boulevard Magenta. Il n'y avait que des bureaux. 19e, ça. Ah, que des bureaux. Uh-huh. Et on se dit, mais où est-ce qu'on rentre? Je dis à Patrick, où est-ce qu'on rentre? Ben, je comprends pas. Et puis, il y a un gars qui nous voit, qui voit qu'on est perdu. Il sort. Et c'est le bureau vitré, hein. On voit Vous avez un problème, monsieur? Ben, écoutez, on a une maison, c'est censé être chez nous. Et là, le gars nous dit. Je te regarde avec tellement d'émotion parce que je me dis, en fait, il y a tellement d'Antillais qui ont vécu. Parce que vous étiez musicien, enfin, tu avais des objectifs de musique. Mais tellement d'Antillais ont vécu ça dans ces époques-là, les époques 70, 80, où on arrive à Paris, on ne sait pas où on va. Si tu n'as pas de famille. D'ailleurs, j'ai fait une chanson sur ça par la suite, mais que c'est Patrick qui l'a. C'était sur le monde de Patrick, c'est Tigla. Ouais. Et en fait, le gars nous dit, mais laissez-moi voir les clés, tout ça. Et bon, quand le gars juste d'avoir regardé les clés, il nous dit, mais c'est une clé de Renault, c'est une clé de voiture, là, c'est pas une clé de maison. Enfin, on en rigole en 2021, mais ouais, À l'époque, et comme ma mère m'avait averti, plus ou moins, parce qu'on est immature, on n'a pas d'expérience du tout, et on arrive dans un pays. Mais en même temps, tu veux quand même faire ton expérience, et en même temps, il faut partir aussi, parce que c'est bien d'être avec les copains, Donc il y a beaucoup de détails, beaucoup de détails après. Mais je ne veux jamais oublier cette phrase de Patrick. Il m'a dit, attends, on est venu faire quelque chose, on ne va pas abandonner, comme ça. C'est ce qui a fait que Frédéric Caracas est avec moi ce soir. Voilà. C'est ce qu'il a fait, c'est Patrick Colonno, il faut qu'on lui dise merci. Oui, Patrick, lui, il a abandonné, c'était difficile. Et lui, il connaissait déjà Paris, donc il avait fait son service militaire. Moi, je ne connaissais pas Paris, que ça. Enfin, je ne connaissais pas du tout, c'est ma première fois. Et donc, voilà, il m'a donné une phrase qui m'a donné la pêche, et puis je me suis battu pour... J'ai envie de parler de quelqu'un que j'ai connu. Et que tu as très bien connu, qui est ton grand ami, que je pense que la Guadeloupe entière l'adore, l'aime, pas que la Basse-Terre, même s'il était originaire de cette partie de la Guadeloupe. Mmh. Il faut qu'on parle de Gilles. Mmh. On va regarder un clip, on va se souvenir de Gilles, et après en plateau, on va revenir et parler de Gilles et de la musique et du zouk toujours. Il n'y a pas de problème. Avec Frédéric Caracas dans Before by Rebecca. Yeah.
t'as oublié les sous vos jambes. Parler de Gilles Floreau quand on parle de Frédéric Caracas. Et alors justement, en rentrant, on se parle beaucoup. Et moi, je me remémore hein, ce fameux jour où je me souviens d'une émission sur une autre chaîne. Et la première personne que tout le monde a pensé à appeler, c'est Frédéric Caracas. Parce qu'effectivement, il y avait un lien particulier entre Gilles Floreau et Frédéric Caracas. Oui, c'était un compagnon de route aussi. On a travaillé longuement ensemble. Ouais, c'était une grosse perte pour moi parce que mourir à 35 ans, c'est. Ouais. C'est, on s'y attend pas. On s'y attend pas, ouais. On s'y attend pas et
Et puis là, on se pose des questions, comment ça s'inscrit dans le vif du sujet. Ça, tout quoi, non, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Tu te crois sur un piédestal et que bon, tu vas vivre très très longtemps. Que, ouais. On a plein de choses à faire. Et puis on a plein de projets. Et on puis, a plein de projets, ouais. Nous fraîches, et puis nous, on est beaux garçons, et puis on y va. Et puis un jour, on t'appelle et on te dit... Voilà. Et puis je pense que un peu comme ce qui nous arrive aujourd'hui avec Jacob, je pense que on t'appelle au moment où tu te dis mais non, demain on est rendez-vous à Émissié. Exactement, et c'est surtout la veille, on parlait la veille au téléphone, ouais. Vita son soir, je me rappelle très bien. Et je suis un gars qui répond très souvent au téléphone, donc j'avoue, il y a longtemps que ça me suit. Ouais, oui. Mais, et je m'appelais plusieurs fois et puis je répondais pas quoi, je dis bon mais qu'est-ce que je veux, machin. Bon. Après ça il m'appelle une dernière. Et il me dit, on avait déjà les portables à l'époque, hein. Le portable existait déjà. 99, on avait les gens les plus privilégiés quand même, hein. On avait les portables... Ouais, mais bon, on avait déjà... On avait les premiers portables. Imagine que mon portable, mon numéro que j'ai actuellement... C'est le même que... Tu peux le donner, 55 Non, j'arrête. Non, mais bon, tout le monde le connaît, 55-03-36, bon voilà. Tout le monde le connaît. Moi, bon, j'ai jamais été sur liste rouge, donc on sait mon atout, donc voilà. En tout cas, ça a été dur pour moi parce que j'ai eu un petit remords d'avoir avoir répondu à ça. À cet appel. Et je sais pas qu'est-ce qu'il voulait me dire, en fait. Et en fait, il avait laissé le message... Alors, on avait promis, hein. Enfin, on a fait un jeu hors antenne, à savoir qui pleurait... Non, mais qui pleurait avant l'autre. Ouais. Félix, tu m'as promis de pleurer avant moi. Non, mais je pense pas que d'où ils sont, ils auraient aimé qu'on pleure. Je pense que ils auraient pas aimé, mais ils sont plus là, donc en même temps. Ouais, mais ils ont laissé tellement de richesses pour nous que je pense que c'est. Alors justement, voilà, parce qu'on va pas non plus pleurer, on va pas non plus être dans le ressentiment, dans le regret, dans le remords, dans ce. Ouais, j'aime bien t'avoir pleuré. Tu pleures. La fille, elle pleure avec beaucoup de grâce. Mais bref. Voilà. Alors, c'est pas anodin hein, si on choisit ce titre de Chiesa, qui est quand même le compositeur, et pas que hein, de Gilles Floron. Hein. C'était ton compagnon de route. On a pu voir des vidéos sur les réseaux sociaux. Moi, je veux juste que tu me parles de Gilles Floron, en fait. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Gilles, pour ceux qui connaissent Gilles, juste entendre que Gilles Floron, pour ce qu'il a été pour la musique, justement, Zouk. Moi, je veux que tu me parles, Frédéric Caracas, Gilles Floron. Alors. Il faut déjà commencer par le commencement. C'est-à-dire que j'ai connu Gilles grâce à Willy Salcedo, qui est venu me voir un jour pour Tania Saint-Val. Donc, voilà, en fait, on avait un projet qui était les Vikings, et j'étais parti avec Guy Jacquet pour une tournée de Frankie Vincent à l'époque. Je ris parce qu'en fait, quand tu parles Vicky, Nana, Francky Vincent. Mais tout est un peu lié, ça s'englobe. Très loin quand même. Ça s'englobe comme ça parce qu'en fait, ça s'enchaîne. Parce que tourner avec Francky Vincent, moi je suis dans l'équipe, mais je ne sais pas pourquoi je suis dans l'équipe parce que je ne suis pas bassiste, je suis percussionniste dans l'équipe. Ah ok, tu fais comme Michel Louise en fait. Ouais, c'est tout le contraire en fait. Je suis bassiste à la base et je suis embauché pour être percussionniste. À mon avis, tu vas être beau garçon à l'époque, c'est pour ça. Ah, j'ai des photos, dommage que si tu m'avais, je te ramène les photos. Et Jacques à la basse et Willy et Tania faisaient les chœurs. Et je ne me rappelle plus. Et Gilles Floro était au synthé. Et en fait, c'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer, à échanger. Jusqu'à ce qu'on arrive au projet Viking. Viking, la nouvelle génération des Vikings. Parce que c'est Jacques Guy Jacquet. À la base, c'est pas Viking. C'est Viking. Exactement. Et donc, on retrouve dans ce groupe Willy Salcedo, Joseph Loquel, Eric Bouta, Gilles Floro, Tania Saint-Val et puis moi. Et au milieu, Jacquet. Et voilà, on tente cette expérience, on compose ensemble, on échange ensemble, on travaille ensemble, on arrange ensemble. Et ne voit-il pas que cette équipe, justement, a été l'élément qui a
qui nous a poussé à faire une carrière solo, chaque artiste. Et Gilles Favreau, on était tellement peut-être complices. Le feeling, en fait, on parle. Donc, j'enregistre son premier disque avec lui, seul. Il a tout fait. Et c'est là que je découvre Gilles. Je lui dis, mais ce gars, c'est un homme orchestre. Parce qu'il a toujours, il a fait tous ses synthés. Tout, il n'y avait qu'un musicien pour complimenter, c'était moi. Et l'album fait un super tube. Et là, je commence l'album. C'était la Rêve Bleu, l'album Rêve Bleu, son premier album. Avec quel tube sur l'album Rêve Bleu? Oh, il y avait Rêve Bleu, il y avait... je ne me rappelle plus des noms, mais... On n'a qu'à chercher sur Google. T'imagines que là, on nous regarde, les fans de Gilles Favreau regardent non, mais moi, et se disent, moi, mais je... qui genre Caracas, pas qu'à songer, qui tube qui dit c'est Rêve Bleu? Non, tu sais... J'ai un problème de... Vous, en fait, Urak Rio, tu es en studio, tu composes, tu fais des tubes. Oui, parce qu'en fait... Et puis après... Oui, exactement, c'est exactement ça. Hein. Ça veut dire que je travaillais sur des albums et les titres n'avaient pas encore de nom. Tout le monde... Ça se passe comme ça, ça veut dire que je joue ouais. Et puis j'entends le truc à la radio, mais je n'ai jamais su c'était quoi le nom du morceau au studio. Alors là, justement, je pense que je vais un peu m'en vouloir, mais en fait, c'est un truc que j'ai trouvé, que j'ai découpillé. Mais j'avais envie de te voir, justement, joyeux. J'avais envie de te voir, Fred Caracas, qui aime la musique. J'avais envie de voir Fred Caracas, qui appelle ses copains du Rézé. On regarde ce clip, et on revient au plateau, et là, tu m'en parles. Et là, tu me parles, justement, de Rêve Bleu. D'accord. Fred Caracas, dans Before by Rebecca. Bonjour, bon bonnet matin, ouais pas d'y aller au travail. On peut continuer ton moment, mais c'est déjà un cas dans moi. Aïe, mais c'est bonne histoire, car des balles qui arrivent moi. J'ai rentré pas d'ouvrant, qu'à sortir, pas derrière. Bonita à Tarabista, où t'es tout pour moi. Moi, t'es pas qu'un peu encore. Bye.
Blada. Yoka Crio Blada. Alors, ça a été juste... Alors, pour trouver des clips de Freddy Caracas sur Internet, c'était juste pas possible. Ouais, c'est... Et pourtant, hein, Dieu seul sait comment, en 30 ans, pour pas dire plus... Il s'est passé beaucoup de choses, mais je suis pas un homme de... Bon, la télé, les clips, même la scène, hein. C'est vrai. Même plus. La scène, je c'est suis... C'est vrai que tu as accompagné en plus, bon, alors... J'ai accompagné beaucoup de personnes, mais je suis alors, toujours... Alors, on parlait de Gilles, on peut parler de Patrick Saint-Éloi, bien sûr, on peut parler de Cassav, on peut parler de... Toute la jeune génération, finalement, parce que dès qu'il y a une fête de commune, il fallait que nous disions, bah, assiste. Je suis là, sans être là. En fait je suis là, mais je ne me suis jamais mis en devant de la scène. Pour moi, c'est... je voulais pas être une star, quoi. Je voulais pas être quelqu'un qui... Ouais, je voulais marcher libre dans la rue. Les autographes, tout ça, c'est pas mon truc, quoi. C'est-à-dire que... c'est bien devant un artiste idolâtré. C'est un peu raté, quand même. Parce que finalement, alors après ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, même on se connaît, j'avoue que quand on parle de Freddy Caracas, tout le monde te dit, pour nous, c'est le, voilà, c'est le boss du Zouk, c'est le plus grand artiste qu'on ait en Guadeloupe. Mais tu peux toi encore aujourd'hui, justement, marcher dans la rue sans être opportuné. Parce que je me suis habitué à ça, à ne pas exister comme une star, comme voilà, quelqu'un de... Comme quelqu'un de normal, quoi, en fait. Je sais que je vais à la plage, je vais à la mer, je vais à la rivière. Auquel arrive, il y a beaucoup. Beaucoup. Et je me faufile, quoi. Comme ça, je passe, personne ne me voit. Je passe comme... pourtant, je suis passé, quoi, tu vois. Bon, maintenant, il y a des gens qui me reconnaissent. En fait, j'ai l'impression que les gens me connaissent par rapport à des émissions de télé. Je suis passé comme ça dans une émission. En même temps, ou bien des concerts. Quand on est le bassiste de toutes les plus grandes stars... Du zouk, et pas que du zouk aujourd'hui, parce que c'est vrai que toi, t'es vraiment le... Enfin, personnellement, hein, j'ai déjà eu à t'appeler pour des projets studio, pas studio. Frédéric, à part quand tu es en retard, tu es toujours présent. Ouais, mais bon, oui, en fait, j'aime la musique. Ça, il faut le... On peut pas le nier, j'aime la musique. Et j'ai toujours répondu oui à quel que soit le projet, parce que pour moi, c'est toujours une expérience. Nouvelle, c'est toujours quelque chose à apprendre. Mais je reste encore sur ce que je viens de dire, que de devant la scène, c'était pas mon truc. Des clips, des photos, machin. Aujourd'hui, je découvre une passion pour l'image. Mm-hmm. Et je me dis, alors, si j'avais ces instruments-là depuis longtemps, peut-être que oui, ok. Mais voilà. À chaque chose, son époque aussi. J'ai des projets. Tu as vu, on a vu le clip de Jules Floreau. Jules m'avait appelé pour ce clip-là. Parce que j'ai composé la chanson, ouais. On l'a fait ensemble. Alors, on rappelle hein, que c'est Keza, et c'est sur un album qui s'appelle Surround. Voilà, c'est Surround. Composition Freddy Caracas. Voilà. Et, mais c'est Gilles le chanteur. Ouais, c'est toi, ça. Ouais. Et c'est Gilles et c'était lui la star finalement à l'époque. Moi, je suis en retrait, parce que pour moi, moins on te voit, plus tu travailles. C'était ma devise en fait. Ouais. D'ailleurs, tu vas voir dans toutes mes pochettes d'albums. On t'en voit pas. Et pourtant, parce qu'en fait, c'est vrai que là, bon, j'ai pris des choses qui me tenaient à cœur, qu'on a pu trouver aussi. Mais on parle de Gilles Floreau, on parle de Paris de Saint-Éloi. Mais alors, si on tape Freddy Caracas sur Google, il y a tellement d'interprètes. On peut parler d'Éric Broutin, on peut parler de Mick Lorté, on peut parler de tellement de gens pour qui tu as fait des. Taïa Saint-Val, qu'on verra tout à l'heure. J'ai calqué ma personnalité. Ce que je ressens à l'époque quand j'achetais des albums où il n'y avait pas le nom des artistes, ça me faisait rêver quoi. Comment il est, comment, qu'est-ce qu'il fait, comment il joue, comment. Et quand. Mais aujourd'hui, cette génération-là ne connaît pas ça. Avant, les gens regardaient les pochettes d'albums. Les pochettes d'albums et les crédits surtout. Les crédits, on s'imaginait plein de trucs. Celui-là produit tel morceau, celui-là produit tel autre truc. Et moi, j'ai voulu faire la même chose en disparaissant de mes pochettes. Qu'on puisse imaginer qui j'étais, qu'est-ce que je faisais. Et bon, beaucoup de personnes étaient dans l'interprétation, mais en tout cas, ça poussait à découvrir qui j'étais. Et qui tu étais. Voilà, et acheter des albums. le processus a marché, en fait. Ah ouais, tu penses que le processus a marché? Ça a marché parce que je me rappelle mon producteur, Eric Moradel, qui m'a beaucoup suivi, en fait, qui m'écoutait. Enfin, en disant qu'on s'est changé les idées. Et d'ailleurs, c'est de lui que vient Zouk Star,
Alors, je n'ai pas retenu hein, de clip de Zoukalza, parce qu'en fait, c'était très compliqué. Monsieur Adèle, c'était un gars très, très difficile. Très, ouais. très difficile. Comme, ouais. Et en même temps, lui, il me disait, bon, écoute Caracas, on n'a même pas fait de clip, ça marche déjà, c'est pas la peine de faire un clip, ça marche. Alors, je disais, ah ouais, mais bon, on n'aura pas d'image. Oui, mais ça marche. Donc, en fait, c'est, le clip était... Aujourd'hui, le clip, l'image... va avec l'audio, ça veut dire que ton son sort et il faut avoir une image. Il faut avoir une image. Ouais. Avant, on a c'est ce que j'ai envie de faire, Frédéric, parce qu'en fait, il y a un truc, j'ai une question à te poser, mais je vais te la poser après cette pause clip. Voilà. On fait juste un mix. Ok. Et là, on verra justement quelle est l'étendue du talent de Frédéric Caracas. On fait une pause mix. Deux artistes que tu as accompagnés, dont une pour qui tu as beaucoup composé et pour qui tu as beaucoup travaillé. Mmh. Et on revient et on reparle d'Éric Moradel et on reparle plein de choses de Frédéric Caracas dans sa carrière. Pas de problème. Dans Before by Rebecca. Moi, j'aimais aussi.
C'est vous qui êtes puissant. C'est quoi la chorégraphie, Fabrice Caracas? On fait un coucou. Et puis en même temps. Il fallait remercier. Voilà, on remercie et l'univers, même de toi et moi, aujourd'hui rassemblés. Taya Saval, Miss Sadik, deux générations. Alors, il fallait. Parce qu'on reçoit peu de femmes dans cette émission. Et peu de femmes acceptent de venir dans l'émission. Peut-être qu'elles ont peur d'être cuisinées sur leur carrière, je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. J'adore. Tania, ça va quand même une belle carrière. Ouais. Et c'est pas des fois, c'est pas toujours évident de retracer. Parler de soi. Ouais. C'est pas évident. Et parce qu'elle a quand même beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de choses, Tania. Alors justement, hein, on parlait de. Alors t'as vu, hein, je t'en mets pas trop. Hein. Mmh. On a parlé de Gilles Foreau. Tu m'as dit ce que tu avais à me dire. On parlait tout à l'heure de Patrick. Il faut qu'on parle de Patrick, c'est obligatoire. Mmh. Et moi, j'avais envie de parler justement de Tania, parce que tu as beaucoup accompagné Tania, que ce soit en studio ou sur scène. Tu la connais très bien. Mais Tania fait partie, en fait, elle fait partie de cette équipe avec qui j'ai travaillé individuellement, avec tous chaque élément de cette équipe, c'est-à-dire les Vikings. Donc, il y a eu Gilles, il y a eu aussi Tania, parce que avec Willy Salcedo, on s'est retrouvés à trois à travailler sur son premier album, Michalet. Et voilà, c'était une belle aventure pour moi, qui m'a permis aussi de survoler deux, comment dire, j'avais en fait deux entités, c'était Tania Saint-Val et ma carrière en même temps. Donc c'était pas évident, ouais. Donc il fallait pas que dans les arrangements que je faisais à l'époque, que ce soit trop ressemblé à ce que je faisais pour moi, parce que c'est pas facile à gérer. Et donc Willy était l'intermédiaire parce que c'est Willy qui composait les morceaux. Mm-hmm. Et Willy avait, disons, théoriquement, Willy aimait bien les septièmes mineurs, les chromatiques, enfin bon voilà. Et donc ça me permettait aussi de dissocier, tu vois, deux styles différents. Et que Tania, c'est vrai, c'était voilà, super voix, belle femme. Donc il fallait sauvegarder tout ça et il fallait trouver. Alors justement, souvent, au moins on me pose la question pour ma carrière en tant que journaliste, animatrice télé. Mmh. Quand tu vois Tania Saval à cette époque-là, entrer dans le zouk, dans la musique, c'est quoi la place aujourd'hui justement de la femme? Alors moi je sais que tu es très. Tu encadres beaucoup de jeunes, tu as travaillé beaucoup de femmes, on peut parler de Mick Lorté, on verra un clip avec Métiès dans pas longtemps, Taya Saval. C'est quoi justement la place de la femme dans ce milieu zouk un peu masculin? Est-ce que tu penses qu'il y a une place pour la femme ou pour l'homme? Heureusement qu'il y a eu la femme dans le zouk. Heureusement.
Parce que jusqu'à maintenant, c'est elle qui tient cette musique. Ok, ça veut dire que. Oui, c'est non, c'est la femme qui, c'est grâce à la femme si le zouk persiste. Parce que bon, lorsqu'on regarde nos chanteurs Guadeloupe Omar Sinke, ils chantent autre chose. Ils sont dans une musique urbaine qui rassemble justement le zouk, la musique traditionnelle, la dancehall, un peu tout. Et c'est assez éclectique. C'est, je dirais même atypique. Hein. C'est-à-dire que c'est une mixture de musique caribéenne, mais qu'on ne peut pas dire que c'est du zouk, quoi. Donc c'est pour ça que des fois, on a du mal à situer. Tu sais qu'il va falloir refaire une émission avec toi, parce qu'on va falloir savoir qu'est-ce que la musique caribéenne, qu'est-ce que la musique zouk. Oui, non, mais en fait, la musique zouk fait partie de la musique caribéenne. Mm. Bon, mais la musique caribéenne, c'est vaste. Parce qu'il y a la soca, il y a le reggae, il y a le merengue, il y a beaucoup de choses. Et bien entendu, il y a le zouk. Donc, mais chaque île a sa propre musique. Le calypso, le soca, la Dominique. Il y a même un soca différent à Barbade et Trinidad. Il y a plusieurs styles. En tout cas, aujourd'hui, on est d'accord, toi et moi, pour dire que dans les représentatrices de la musique zouk, il y a Tania Saval. Il y a Tania Saval. Pas que, mais il y a Tania Saval. Voilà, il y a Tania Saval. Parce que chez nous, il y a beaucoup. Alors, il y a ce truc-là, c'est qu'en fait, autant interprètes zouk masculins, on les connaît tous, même si quand ils font les deux, quand ils font chanteur et choriste, mais pour les femmes, on connaît les interprètes, et puis il y a les choristes aussi, qui auraient pu être interprètes, mm-hmm. mais qui ne le sont pas. Et qui ont tenté aussi. Mm-hmm. Il y a des choristes qui ont tenté d'être interprètes, et qui ont réussi à faire des tubes. Mais je veux dire que la place de la femme dans le zouk a été quelque chose de très important pour cette musique-là. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, les gens qui chantent du zouk, ce sont des femmes. Des Fanny, des Métis, des Dacha. Et nos hommes ne chantent pas du zouk, en fait. Ils zouk. Ils sont dans un... Tu vas fâcher beaucoup d'hommes de chez nous. Pas du tout. Parce qu'en fait, je ne sais pas si... Je pense que, bon, les hommes maintenant, grâce à eux... On est passé à autre chose, une évolution. Je ne dis pas que le jeu n'a pas évolué, il a évolué aussi. Maintenant, chaque personne le prend dans un sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens, j'entends des gens dire que le zouk a régressé. Maintenant, c'est la musique haïtienne qui monte et c'est cela. Tout ça, pour moi, ça, c'est du dérivé du zouk, en fait. Les hommes maintenant, les Sadiq, les Wervana, les Amirati, tous ces gars-là, ils sont rentrés dans une musique urbaine, ils ont commencé par la danse, après ça, une musique, c'est urbain, quoi, tu vois, et c'est un peu passe-partout. Tout le monde adhère à ça parce qu'on retrouve, si toi tu n'aimes pas le zouk, mais tu vas trouver un peu de zouk. Si tu n'aimes pas le goka, tu vas trouver un peu de goka. Ouais. Et voilà. Donc, et finalement, selon les époques, de toute façon, la musique urbaine était urbaine selon l'époque. Justement, là, on va alors. Rendre grâce à quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, tous les deux. Quelqu'un avec qui tu as beaucoup travaillé. Tu as composé ce morceau, mais pas que avec lui. Mmh. Tu as été beaucoup en studio. Il nous manque depuis plus de 10 ans. Mmh. C'est bien sûr Patrick Saint-Éloi. Et justement, on reviendra sur processus de musique urbaine, musique zouk, musique pas zouk. Bon, je ne donne pas le titre avant. On regarde le clip dans Before Barry Rebecca. On est avec Frédéric Caracas. On vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV, en direct en radio. Première diffusion télé ce soir à 20h30 sur Éclair. On se regarde un petit clip de Frédéric Caracas à la composition avec Patrick Saint-Éloi à l'interprétation. Et on revient dans Before Barry Rebecca. Hello, hello, hello. On joint des cafés.
Non, j'adore les pause clips parce qu'en fait, les pause clips nous permettent de nous remémorer des souvenirs. Parce que Besso, je pense avoir connu en plus cette phase de composition. Mmh. Alors, comment ça se passait justement, les compositions Patrick Sételois, je parle de Patrick parce que l'on parle de Besso, un titre que tu as composé, mais comment tu. Voilà, comment. Dans les deux sens, on avait notre. Notre technique, plus ou moins. Je veux dire, Patrick, c'est un gars qui composait, il avait déjà la mélodie, il voyait déjà le mouvement du morceau, comment. Vous pouvez me dire qu'il avait même la chorégraphie, même s'il n'aimait pas beaucoup danser. Mais bon. C'était pas un grand danseur. On savait qu'il y avait deux pas qui étaient à gauche ou à droite. La façon de faire son pas, c'est aller avec un truc qu'on a mis dans la musique de toute façon. Et voilà. Et quand il avait. Des yeux lumineux, tout ça, c'est que déjà il sentait que le morceau allait plaire. Allait faire un truc. Et ça aussi, c'était quelque chose de très représentatif pour moi, pour pouvoir mettre un plus dans ce que je sais faire. Ça veut dire que voilà, c'était ma motivation et voilà, c'était une des. Alors, tu en as fait des titres pour des gens. On parle de Sételois parce que voilà, c'est Patrick avec qui tu es très ami. On parle de Gilles, bien sûr. Mmh. Donne-moi des titres comme ça. Parce qu'on n'aurait pas vu en clip. J'ai eu beaucoup de binômes. Alors, on ne parle pas de champagne, parce que champagne, je pense que chaque titre que vous avez sorti, je pense qu'il doit y avoir 10 tubes. Il y a eu un moment, le duo Victor Delvert-Fred Caracas qui a fonctionné. Ça marchait très, très bien. Et il y a des gens qui. Avec des personnes avec qui ça marchait très bien aussi, c'était Jocelyne Abil. Oui. Quand tu veux, quand tu veux, où tu veux, on se voit. Et Jocelyne Abbé et moi-même, on avait le petit côté magique aussi de faire des tubes. Donc, qui encore ? Il y a mon Patrick, Tania. Dominique Lorté. Le tube de Dominique Lorté que tu as écrit. Coup de foudre. Tout ça. Donc, Dominique aussi, ça a été aussi, elle m'a accompagné pendant très longtemps dans les studios, dans les chœurs. C'était vraiment, c'est quelqu'un de formidable au niveau, en tant que choriste, mais en tant que chanteuse aussi. Parce que justement, Dominique et moi, on a plus ou moins été les premiers, dans l'écurie de Rico Dubs. Dans la musique urbaine, parce que c'est Rico qui a un petit peu lancé tout ça. Rico, mais il y a eu le père aussi, il y a eu Henri avant. Oui, il y a Henri, mais Dominique, vraiment, elle a beaucoup travaillé plus avec Rico qu'Henri. GGDN, qui m'occupe malade. Voilà, ça c'était l'époque de qui a ouvert le bal, je dirais, Fuckly, avec Ridla, toute la clé, quoi. C'était vraiment une banque, Sansky, tout ça, et... Voilà, on était d'équipe, Dominique et moi, qui l'additionnelle de tout ça. Enfin, c'était un peu les vieux qui aidaient les jeunes ou pas vous... Non, c'était... Il y avait quelque chose de... Comment dire? Il y avait un échange entre deux générations, mais on apprenait avec eux et ils apprenaient avec nous. Donc, alors c'est bien, c'est parce que ça permet de lancer le prochain clip. Et puis c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé en préparant l'émission, où tu parles beaucoup de transmission, Frédéric, aujourd'hui. C'est vrai que alors, sur toi, quand je dis ça un peu en ricanant, c'est parce qu'on est aujourd'hui dans une phase où on vient de perdre Jacob. Pour ta part, en tout cas, tu as perdu déjà Gilles, tu as perdu Patrick, et puis on en passe. Moi, je pense beaucoup à Jean Zénard et Le Fell. Et toi, tu parles beaucoup de transmission. Tu y crois à l'avenir. Ne pourrait ne plus être, mais tu crois à l'avenir. Alors, la transmission, j'ai toujours fait ça, mais naturellement, parce que j'ai toujours été vers des jeunes, mais pas forcément des jeunes, mais des gens qui voulaient faire de la musique. Jamais dit non quand quelqu'un veut me voir. J'ai des idées, tout ça. J'ai jamais pris ça. C'est pas anodin pour moi, quoi. C'est que peut-être cette personne avait un message à faire passer. J'acceptais. Mais ce sont des jeunes... qui ont mis cette conscience en moi que je les aidais, quoi. Et qu'à chaque fois qu'ils demandaient le temps à quelqu'un de ma génération de tendre la main, j'ai pas le temps. Et tu as été jeune à un moment aussi. Mais oui. Et il faut toujours savoir qu'il y a toujours quelqu'un qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Tu vois, donc... à l'époque, tout ça, disait « Ah, monsieur Caracas, merci !»
Le premier de Rico, Fleur Sound, avec Boubou, tous les gars, quand ils sont venus me voir, ils étaient contents au studio et voilà, j'étais protégé par eux parce que bon, je les ai permis de faire un premier disque. Je dis, mais c'est pas moi, c'est Rico. Ils disent, ouais, mais tu as accepté Rico, ouais. Quand Rico t'a appelé. Donc, Oui, parce qu'en fait, alors, moi, c'est un truc que j'ai remarqué. Alors, pourtant, on se connaît et je connais un peu ta carrière. Et puis après, quand j'ai refait un peu le. Voilà, j'ai refait un peu l'histoire de Frédéric Caracas. Je me suis dit, mais en fait, déjà, d'une, tu es là depuis très longtemps, tu es là depuis avec les grands. Voilà, tu passes des époques et tu acceptes toujours, enfin, en tout cas, de faire de la musique, oui, tout simplement. C'est, pour moi, c'est la musique. Il n'y a pas de génération, la musique reste de la musique. Et elle évolue. Même si pour certains, c'est un retour en arrière, c'est, ça régresse. Ou... Mais c'est une évolution pour moi. Ça veut dire que si elle régresse, c'est une évolution. Ça, c'est bien dit. Si ça régresse, c'est quand même une évolution. C'est quand même une ouais. évolution parce qu'en fait, il y a peut-être, il y a 10 ans, 20 ans, il y a des orchestres comme les Aiglons, type Kakombo, ils étaient à 15 dans un groupe. Donc il y avait des cuivres, il y avait. Et pour cette génération, la musique aujourd'hui, elle est dépouillée. Il y a une guitare. Très ordinateur aussi. Et oui, mais il y a aussi. Elle est efficace, tu as envie de me dire. L'ordinateur, c'est efficace pendant une période. Tu as des groupes comme Sof qui arrivent, c'est du live, et c'est joué, c'est dépouillé, quoi. Une guitare, une basse, une voix. Et ainsi de suite. Donc voilà, on ne peut pas dire que. En plus, tout ce que Jacob aimait, en plus. On va finir cette émission avec un dernier clip, mais on est encore ensemble, encore pour 10-15 minutes, avec un de tes plus gros tubes, parce qu'en fait, Frédéric Caracas, bassiste, Frédéric Caracas, chanteur, et Frédéric Caracas, parolier, aimé en silence, et on revient en plateau dans Before by Rebecca, en ce vendredi 13 août 2021. Alors, on va parler d'une histoire d'amour impossible. Bon, je vais écrire ça. C'est-à-dire que les gens... s'aiment, mais ils n'ont pas le droit de s'aimer, donc ils vont s'aimer en silence. Ce qu'on fait là n'a rien à voir avec l'album de 2009, alors attention, préparez vos oreilles. Yes. Bah ça c'est un succès. Ouais. La cape plairait comme moi, panique ou fait rien. C'était là pour qu'on sort les moins, quoi dans rêve à l'amour. Soleil dérayonné à 6 mois. Yeah.
On aurait pu dire encore tellement de choses encore, mais 1h30, ça ne suffit pas pour parler de Frédéric Caracas et de sa carrière. Aimé en silence, ça a été un des plus gros succès, en fait, finalement. Et puis, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Frédéric Caracas comme bassiste, mais Frédéric Caracas a dû aussi à un moment prêter sa voix. Mmh. Il fallait chanter. Et il fallait aussi chanter les compos que tu pouvais imaginer. En fait, je n'ai jamais voulu être chanteur. Parce que dès le premier Dissèque Bouta, je m'étais prêté au chant, mais M. Mordel m'a dit laisse tomber. Ah ouais, bon, sauf que tu t'es déjà comme ça aussi. Tu t'es déjà comme que voyait pas tes beaux. Ouais, et finalement, exactement, il fait 42 ans. Ben justement. On a dit ça très souvent à Jacob, que sa voix est enrayée et tout ça. Et moi, je sais pas, moi, le morceau que j'ai le plus aimé de Jacob, par exemple, c'était Soukounia. Ouais. Soukounia. Il avait une voix grave que j'aimais. La même quand il parlait. C'est ça qui était magique lui, en fait. Et en fait, tu vois, ce genre de voix, ça m'a poussé à chanter aussi. Des voix comme Barry White. Celle de Jacob, Marvin Gaye, tout ça, Way Ayers, c'était des voix que, elles étaient suaves, ça t'envoûtait. Et j'ai dit, ouais, je peux m'y mettre aussi. Tu sais, quand là, on vient de m'envoyer un message en me disant Fredo Boss. Ah ouais, d'accord. Boss of Zouk. Et puis voilà, donc c'est comme ça que je me suis lancé. Donc il y a des chansons qui me tenaient à cœur, que j'ai voulu chanter. Alors justement, on n'a pas beaucoup parlé de Jacob dans cette émission, parce que c'était pas non plus forcément le but, mais on s'est beaucoup parlé depuis les obsèques et depuis sa disparition. Tu étais sur un projet avec Jacob justement ces derniers temps. On sait quand même Jacob comptait pour soi, au-delà de la musique. C'était un homme qui t'accompagnait, qui a ta vie. Dès que Jacob venait en Guadeloupe, il passait un coup de fil pour savoir qu'est-ce qu'il y a, il faut gagner d'argent. C'était notre... le truc. Frédéric, tu veux gagner de l'argent? Ouais. J'ai un truc pour toi. Et ça en faisait pareil. Je faisais pareil avec lui, et puis je lui parlais d'un projet que j'avais avec une chanteuse que tu connais sûrement, Krista. Ouais, Krista. On a vu un peu des bribes du projet sur les réseaux sociaux aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Et en fait, Jacob, quand il a fait plusieurs guitares. Il m'a dit, comme je dois partir, j'ai son projet, Namkan et tout. Namkan, ouais. Donc, il a pris vraiment son temps pour faire des guitares. Et moi, j'ai fait du découpage, du montage et tout. Et malheureusement... Voilà. Le 30... ça restera gravé dans nos mémoires. 30 juillet 2021. Au moment où j'ai décidé de faire une petite vidéo pour qu'on va mettre dans le clip et tout. Et puis voilà, il tombe malade. Et ça, c'est le destin. On n'y peut rien. On peut qu'accepter. Mais... Au moment où je vous parle, j'ai toujours pas vraiment réalisé qu'il n'est pas là. Tu me diras, je n'ai pas non plus réalisé. En tout cas, Frédéric Caracas, 1h30 d'émission avec toi, c'est trop peu. Mais on a fait 1h30, hein ? On a déjà fait 1h30. Wow. Et en même temps, on a quand même un peu brossé ta carrière. J'ai envie de te dire merci. Mais en fait, j'ai tellement de choses à dire. Mais on va en faire une discussion. Mais c'est ce qu'on va faire. Comme tu as travaillé avec tellement de personnes, tu reviendras en binôme, en biston, avec quelqu'un. Je ne sais pas avec qui encore, mais on verra. Voilà. En tout cas, moi, je te dis merci. Merci pour beaucoup de choses. Merci pour le zouk. Et puis, comme on dit, aimons-nous vivants. On blague souvent entre nous en disant zouk est en l'obitazi. Mais en tout cas, moi, je te le dis ce soir. Merci d'être venu. Merci pour la musique. Merci pour tout ce que tu vas faire, parce que tu es aussi, toi, dans la transmission. Absolument, et je pense que nous avons des jeunes talents qui ont beaucoup, beaucoup de choses à dire, et que c'est à nous, de cette génération, à ouvrir les portes, parce que, ils ont un bagage talentueux, ils ont le savoir-faire, il y a des écoles maintenant qui jouent le jeu aussi, dans les études, et je pense qu'il faut être à l'écoute. Et en tout cas, vous aurez vu que ce soir, Frédéric Caracas n'aura pas réussi à me faire pleurer. Et pourtant, vu comment les émotions étaient là. En tout cas, je rends grâce à Dieu, je rends grâce à cette musique, je rends grâce au Zouk. Before by Reggae BK, vendredi 13 août, qui sera remultidiffusé ce soir, 20h30, sur Éclair TV, en télé. Et on reverra l'émission encore. Frédéric Caracas, merci. Merci à toi pour aussi, tout. Rebecca. Et puis on se dit à très vite. Et puis bon week-end en tout cas. Bon confinement. Before by Rebecca.
c'est pour faire la mort.